Merci de suivre votre émission L'économie de A à Z. Aujourd'hui, parlons de l'économie. Alors, qu'est-ce que l'économie? Selon moi, une économie, c'est... Une économie est une... L'économie, à vrai dire, peut-être c'est le fait de... C'est l'épargne. En fait, après avoir épargné de sous, alors on peut en utiliser pour une réalisation quelque part. Et donc, c'est, à mon avis, c'est ça, quoi. Économie. Le thème courant, c'est quand on fait des... On met de l'argent de côté. Mais, truc là, c'est tout ce que je peux dire. C'est le reste des dépenses et qu'on fait après avoir fait des dépenses, quoi. Qu'est-ce qu'on économise après avoir fait des dépenses? Selon moi, c'est ça. Économie. C'est économie par rapport à quoi? Économie, qu'est-ce que vous comprenez par économie? Tout ce que vous comprenez, dites-le. Selon moi, quand on parle d'économie, par exemple, quand on prend son salaire maintenant, après avoir fait les dépenses, ce qu'on épargne, économiser, c'est épargner. C'est ce que j'entends par économie. Pour épargner, il faut gérer. Il faut savoir gérer ses sous pour épargner. C'est bon. Retenez tout simplement que l'économie est une science sociale qui étudie la production, la répartition, la distribution et la consommation des richesses d'une société. Le principe général qui sous-tend l'économie, en particulier pour les ressources limitées ou rares, est celui de la rentabilité. Elle consiste à consommer un minimum de moyens en vue de réaliser un maximum de profits. La définition de l'économie n'est pas consensuelle. Ses contours et son contenu varient en fonction des auteurs et des courants de pensée. Continuez de suivre Business 24 Africa et à très bientôt.